Je m'appelle Laure Linkis, je travaille à la marque employeur dans le groupe Airbus, pour le groupe Airbus. Je m'occupe spécifiquement donc de l'entité Airbus Defence and Space en Île-de-France et donc de notre filiale Airbus Defence and Space Cyber. Nous avons un panel très large de métiers dans le groupe Airbus puisque nous travaillons sur la sécurisation donc des avions, des hélicoptères et aussi donc des produits et des projets pour la défense. Donc nous avons des métiers en cyberdéfense et en attaque. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est de pouvoir féminiser nos métiers, puisque le nombre de candidates sur le marché de la cyber est très très faible par rapport aux besoins, et aussi le fait qu'on a beaucoup d'offres à pourvoir et qu'il y a peu de candidats qui correspondent aux métiers que nous recherchons. Pour attirer davantage de femmes, on essaye de communiquer dès le plus jeune âge en fait, auprès des lycées et des associations féminines pour leur montrer tout simplement que la cyber a besoin aussi de profils féminins puisqu'on a besoin d'une grande diversité de profils en cyber. En fonction des projets sur lesquels nous travaillons, nous allons rechercher des profils plutôt juniors ou plutôt seniors en fonction du niveau du projet sur lequel vous allez travailler. Donc les trois compétences indispensables vont varier en fonction de la fiche de poste, mais par exemple sur un poste en cyberdéfense, il va y avoir beaucoup de Windows, de Linux et le besoin de comprendre ce qu'est une cyberattaque et l'origine de celle-ci pour pouvoir ensuite mieux défendre les produits. Le meilleur conseil serait d'être eux-mêmes dans tout le processus de recrutement, c'est ça qui fonctionne le mieux. Rejoignez-nous.